Eh bien, salut tout le monde, c'est Alexis, j'espère que vous êtes tous très bien. Moi, pour ma part, ça va nickel. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Fortnite. Je vais vous faire une vidéo glitch. Alors, je n'ai jamais fait de vidéo dans ce genre sur ma chaîne, mais là, je vais faire cette vidéo pour vous, car le glitch que je vais vous montrer est le meilleur glitch de tout Fortnite. C'est moi qui l'ai trouvé, et on gagne plus de 8000 XP par 5 secondes. Ça va pas être un glitch inactif, mais toutes les 5 secondes, vous gagnez au moins 5 à 8000 XP. C'est vraiment le meilleur glitch de Fortnite que j'ai jamais trouvé. Mais bien sûr, juste avant que la vidéo commence, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à ma chaîne, ça ferait super plaisir, surtout pour le glitch que je vous montre. N'hésitez vraiment pas à vous abonner avec le cloche des notifs, car si le glitch ne marche plus, je vais vous sortir d'autres vidéos avec d'autres glitchs. Donc restez bien abonné avec la cloche des notifs. Et n'hésitez pas aussi à mettre votre plus gros pouce bleu, ça ferait super plaisir. On mise les 100 likes en moins de 24 heures, j'espère que vous en êtes capable. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai à un maximum de personnes. Je vous affiche aussi directement à l'écran les dernières personnes à s'être abonnées à ma chaîne, je vous en remercie d'avance. Donc c'est parti pour le glitch. Quand vous avez lancé Fortnite, vous arrivez là-dessus, vous lancez le mode créatif. Comme ça, c'est très très simple, faudra aller dans un mode créatif. On le lance. Je vous précise que ça marche sur PC, PS4, Xbox, Switch, ça marche sur tout, même mobile. Voilà, donc vous arrivez là-dessus, vous fermez, hop, là je viens de gagner 5 étoiles de combat, hop, je vais obtenir, on s'en fout. Il y a le mode créatif juste ici, vous faites jouer. Alors vous attendez le chargement et normalement vous devrez après arriver dans le mode créatif. Donc c'est bon, je suis arrivé dans le mode créatif. Alors là ça va être très très simple, vous prenez n'importe quelle île, vous allez à n'importe quel endroit, on s'en fout que ce soit là, là ou là-bas. Vous vous approchez d'une île et vous allez entrer ce code exact. Le code c'est 2568, 6023. 6426, je vous l'affiche à l'écran pour ceux qui veulent. Alors vous l'inscrivez, il n'y aura rien d'autre à mettre, pas d'égal, pas de V, rien du tout. Vous faites ça, 2568, 6023 et 6426. Voilà, maintenant vous faites jouer, c'est une map à level, mais dans cette map, quand vous passez un level, vous gagnez que 87 XP, mais grâce à ma méthode à moi, vous gagnerez pas 87 XP, mais 8000 XP. Donc je vais vous montrer tout ça, on attend juste que la map a fini de charger. Donc c'est bon, la map a fini de charger, vous entrez à l'intérieur, et normalement vous devez regarder en haut de votre écran, et ça doit être écrit version 18. Si c'est pas marqué version 18, essayez quand même le glitch, je sais pas si ça marche, mais moi c'est en version 18. Donc du coup, vous allez lancer la map, vous cliquez juste ici et lancez le jeu. Hop, normalement ça devrait le lancer assez rapidement. Donc une fois que le jeu est lancé, vous allez au même endroit que moi. Vous sortez du chalet et vous allez aller à droite. Juste ici, il y aura une pierre, vous montez dessus, bien en haut, juste ici là, et vous allez sauter en face. Voilà, une fois que vous êtes monté ici, vous allez continuer juste là, vous allez descendre ici et tomber. Il n'y a aucun dégât de chute, donc ne vous inquiétez pas. Vous tournez ici et en face, il y aura un espèce de cylindre bleu. Vous allez entrer à l'intérieur, comme ça, voilà. Et normalement, vous pourrez avoir des permes pour vous envoler dans le jeu. Vous vous envolez et vous remontez tout en haut. Hop, je passe par là, je suis un peu bloqué. C'est bon. Normalement, vous pouvez remonter en haut. Alors, je cherche par où passer. Attends, normalement, on devrait passer par là. Voilà, ici. Là, on peut passer. On va monter juste là et revenir où on était juste avant. Et cette fois, on va passer dans l'arche, juste ici. Et on va descendre tout en bas, jusqu'ici. Et ça devrait nous faire spawn ici. Donc, maintenant, on va aller en diagonale jusqu'à là-bas. Car en fait, à chaque fois qu'on passe un niveau de base, normalement, on gagne 87 XP. Mais nous, on va aller directement à la fin du niveau. Hop, j'ai un petit problème de... Voilà, c'est bon. On va aller en diagonale jusqu'au bout du jeu. Et en fait, à chaque fois que vous passez au bout du jeu, vous gagnez 8000 XP. Je vais vous montrer ça. Alors, on arrive au bout, juste là. C'est juste en face, juste là. Hop, vous voyez le cerceau ? Il ne faut surtout pas rentrer dedans, parce que sinon le glitch, vous allez le foirer. Et en fait, on voit une plaque d'apparition juste ici. On va aller dessus, et je vais vous montrer, c'est vraiment très très simple le glitch. Hop, on va dessus. Et normalement, voilà, 3000 XP de gagné. Ça dépend des comptes, il y en a qui gagnent 8000, d'autres 10000, regardez, 7000 XP. On remonte là-haut, 3000 XP,
on revient là, 7000 XP, et en fait ça fait ça à l'infini, 11000, hop, on repart, on va derrière le cerceau, on revient, et en fait il faut faire ça à l'infini, et vous allez gagner vraiment un max d'XP. Faut bien sortir de la zone, c'est vraiment très très important. Alors si des fois ça a tendance à ne plus marcher, comme ça vous faites comme moi, vous rentrez dans le cercle, voilà, juste ici, et vous repassez en arrière. Normalement vous devrez re-rentrer dans le cercle invisible qui doit être juste là normalement. Alors je l'ai perdu le cercle. Voilà, il était juste là le cercle. J'ai réussi à re-rentrer. Et là vous allez directement là. Ça fait 3000 XP encore de gagner. Et vous voyez que mes niveaux montent vraiment très 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 vite. 3000 XP encore de gagner. Et en fait vous allez faire ça à l'infini et gagner des paliers, des paliers et des paliers. Moi je vais faire ça jusqu'au niveau 100 et comme ça j'aurai directement tout le pass de combat. Donc si vous voulez d'autres glitchs dans ce genre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dès que le glitch est patch, je vous en ferai un nouveau. Donc restez vraiment bien abonné à la chaîne, c'est très très important pour louper aucune de mes prochaines vidéos. C'est vraiment important l'abonnement avec la cloche des notifs. Je vous en remercie d'avance. N'hésitez pas aussi à liker, ça ferait super plaisir. Merci à tous ceux qui likeront ce tuto. Faut vraiment qu'il soit référencé à un max pour que tout le monde voie ce tuto et que fasse avant que Fortnite le patch. Donc likez à masse cette vidéo. Et aussi si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai le plus rapidement possible. Allez, moi je vous laisse gagner vos XP. Allez, tchuss les gens.